Pierre-Laurent, à quel moment finit-on par dire stop à Bachar el-Assad, notamment après ses dernières déclarations qui nous visent tous ce soir? Je crois que ces déclarations, elles confirment l'extrême danger de la situation et la possible embrasement de toute la région. Elles confirment l'extrême danger de ce régime qui est prêt, effectivement, à continuer le massacre dont il porte la responsabilité. Parce que dans cette interview, il y a un énorme mensonge de Bachar el-Assad qui fait comme si on avait affaire à une guerre de religion et qu'il aurait face à lui des gens qui sont des djihadistes. Non, Bachar el-Assad, en mars 2011, il y avait 2 millions de Syriens dans les rues de la Syrie pour réclamer la justice et la démocratie. Et à ce moment-là, le régime de Bachar el-Assad a choisi la répression, l'engrenage militaire dans lequel se sont malheureusement impliquées toute une série de puissances. Et nous avons joué, y compris la France, dès le départ, l'option militaire face à Bachar el-Assad. Et nous sommes dans cette situation tragique où, après 2 ans, nous avons 100 000 morts, 7 millions de déplacés, 7 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, 4 millions de déplacés sur 20 millions. Donc, la question qui se pose aujourd'hui… – Tous les chiffres que vous citez sont justes, Pierre-Laurent, mais que fallait-il faire au nom de ce que vous nous expliquez ?– Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que la punition militaire annoncée par, promise pour le moment par François Hollande, aux côtés des Américains, et qui déclare, François Hollande, Jean-Marc Ayrault l'a répété ce soir, qu'il ne s'agit pas de se débarrasser du régime de Bachar el-Assad. Est-ce qu'elle est la solution à ce problème? Évidemment non, parce qu'il faudrait se fixer 3 objectifs en vérité. 1, obtenir l'arrêt des massacres le plus immédiatement possible, de tous les massacres. Deuxièmement, ramener tous les belligérants autour de la table. Et troisièmement, pour négocier une solution politique qui garantisse une transition démocratique. Et ça s'est déjà produit à 2 reprises. Dans ces 2 dernières années, et notamment à Genève 1, ce qu'on appelle Genève 1 quand il y a eu l'accord le 30 juin 2012 à Genève. Et au lieu d'appuyer cette solution diplomatique, nous avons, la France comme d'autres puissances, privilégié l'option militaire, ce que nous faisons à nouveau, et une option militaire de surcroît qui, avec la punition promise, ne réglera pas le problème, parce que cette punition n'arrêtera pas les massacres, parce que Bachar el-Assad sera toujours au pouvoir, et on le voit dans l'interview, il continuera le massacre, elle nous éloignera de la solution politique, elle ne ramènera pas les belligérants autour de la table. Donc c'est une autre action politique, diplomatique dont nous avons besoin, et non pas de cette menace militaire dont nous ne savons même pas si nous sommes capables de la mettre en œuvre, même... puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la décision de la France est dépendante de la décision des États-Unis. Même après 110 000. Harlem Désir, vous dites, nous avons fait tout ce qui était possible et la France était en pointe. Je conteste cette chose, malheureusement. Je conteste aussi. Parce que quand il y a eu, à la réunion de Genève, le 30 juin 2012, sous l'égide de Kofi Annan, une solution avec une plateforme qui, à l'époque, était ratifiée par l'ONU, par l'Union européenne, qui, dès le lendemain, au lieu d'appuyer cette solution qui était la première fenêtre possible de sortie de crise, qui a commencé à mettre en cause l'accord alors passé qui avait été signé par tout le monde, Hillary Clinton et Laurent Fabius. Et on peut reprendre les déclarations. Et on a à nouveau menacé de l'embargo. Parce que nous faisons jouer, comme malheureusement, effectivement, la Russie et d'autres puissances, nous faisons aussi jouer, nous, nos intérêts de puissance, au lieu de privilégier notre action diplomatique pour obtenir en premier lieu l'arrêt des hostilités et des massacres. Avant, il faut que les puissances, les grandes puissances, et la France en premier lieu, au lieu de continuer à jouer à travers le conflit syrien des intérêts géopolitiques où chacun défend ses positions, il faut que ces grandes puissances face d'une priorité de l'arrêt des hostilités et de la recherche d'une solution politique pour une transition démocratique. Parce que ce qui compte dans cette affaire, évidemment, c'est le peuple syrien. Et aujourd'hui, c'est le grand oublié. Parce que si on ne fait que punir militairement par des frappes sans travailler à cette solution, eh bien, on aura des représailles de Bachar el-Assad et on aura des massacres supplémentaires. À chaque fois qu'on perd une année,
c'est 30 ou 40 000 morts supplémentaires. Oui, voilà justement. La réalité. Oui, c'est passé quelque chose d'extrêmement grave le 21 mai. Qualifié par le secrétaire général de l'ONU de crime contre l'humanité. De crime contre l'humanité. Fait attention à ce qu'il dit avant d'employer des termes comme ça. Et je vous lis ce qui a été écrit dans la commission d'enquête internationale remise à l'ONU en juin dernier. Il n'y a pas d'avant et d'après le 21 août. Bien avant le 21 août, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ça a été écrit en juin, sont une réalité quotidienne en Syrie. Personne n'est en train de gagner la guerre et personne ne la gagnera. La livraison d'armes supplémentaires ne conduira qu'à plus de civils tués ou blessés. La Syrie est en chute libre. Donc le problème, c'est que malheureusement, effectivement, les crimes contre l'humanité sont légion en Syrie depuis maintenant, bien avant le 21 août. Et le 21 août est un cran supplémentaire dans l'horreur. Donc on voit bien que l'escalade meurtrière à laquelle on assiste, tant qu'on n'en sortira pas, on aura malheureusement la multiplication. Oui, je crois qu'à la question de savoir si les éléments sont sérieux qui permettent de penser qu'il y a une attaque chimique et que le régime de Bachar el-Assad en porte la responsabilité, je pense que oui, les éléments sont extrêmement sérieux et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier crime contre l'humanité commis par le régime de Bachar el-Assad depuis 2 ans, puisqu'ils ont été nombreux. Donc on lui dit gentiment, il faudra vraiment qu'on discute et qu'on améliore la démocratie dans votre pays. Oui, non, mais attendez, le problème qui est posé, c'est que face à cette situation, qu'est-ce que nous faisons pour effectivement faire cesser cette situation ? Qu'est-ce que nous faisons d'efficace pour faire cesser cette situation. Ce que nous venons de faire, la France, François Hollande, depuis 8 jours, nous met plutôt, pour le moment, dans une impasse. Les Britanniques ont voté et ils ne nous suivent pas. Les États-Unis, nous ne savons pas ce qu'ils vont faire. Nous sommes obligés d'attendre le vote des États-Unis pour savoir ce que va faire la France. Et pendant ce temps-là, alors que nous avons menacé d'une intervention, nous ne savons même pas si nous allons pouvoir la mener à bien. Donc, du point de vue diplomatique et politique, pour le moment, par rapport à la question « comment allons-nous être efficaces ?», c'est pour le moment pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, un G20 va se réunir dans 2 jours, le lendemain du débat que nous avons au Parlement. Moi, j'ai une question. Que fait la France à cette réunion du G20? Que fait la France? Puisque nous aurons là réuni l'ensemble des grandes puissances qui sont concernées par le conflit et d'autres qui peuvent avoir. Eh bien, il faut que la France, au cours du G20, prenne immédiatement l'initiative politique de relancer la question de mettre, parce que mettre les belligérants autour de la table, il ne s'agit pas de les regarder en pensant qu'ils vont François y venir Hollande de bonne volonté. À essayer de mettre au menu du G20 nous devons contraindre la question le retour de la Syrie à la table de négociation de tous les belligérants et de toutes les puissances impliquées. Et pour ça, en créer les conditions politiques. Et vous pouvez dire, effectivement, moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire sur le régime Poutine, mais est-ce qu'il y a une solution à la situation en Syrie, sans qu'à un moment donné, la Russie entre dans le jeu d'une solution politique. Barbara. Évidemment non. Donc nous sommes obligés de mener ce travail politique et diplomatique. Et sinon, nous ferons des grandes déclarations guerrières. Mais le résultat concret des initiatives que nous prétendons prendre, c'est que les massacres continueront sur place. Barbara Pompili. Et on pourra toujours dire que c'est comme ça qu'on va les arrêter. Mais malheureusement, nous aurons l'objectif inverse. Ce n'est pas de détourner le regard. Moi, j'ai été présent dans les manifestations de solidarité avec le peuple syrien depuis mars 2011. Dès les premières, j'y étais présent. Donc je n'ai jamais détourné le regard et je suis extrêmement sensible au drame, à la tragédie du peuple syrien. Ce que je dis, c'est comment être efficace et comment retrouver une voix forte et indépendante de la France. Barbara Pompili. Il faut qu'il y ait une coalition. La France ne peut pas partir seule, ne peut pas faire Barbara justice Pompili, seule. Que vous ça, a c'est dit sûr. Jean-Marc Ayrault tout à l'heure sur les pays qui étaient prêts à entrer dans cette coalition, puisque j'ai discuté avec les deux présidents de groupe de ma formation politique sur ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Qu'a-t-il dit sur cette Alors, question il nous a que dit que l'Australie était prête pour le moment. Point final. Et la Nouvelle-Zélande. Non, et peut-être le Danemark. Le Danemark et la Grèce. Ça ne fait pas une coalition. La Grèce, bon. non, mais la mais question... Que l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'étaient pas mécontents qu'ils viennent nous libérer dans des périodes compliquées de notre histoire. Alors, sur le G20, heureusement qu'on ne les a pas regardés. Je crois que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, et avec les conséquences politiques d'une intervention, ce serait une faute politique supplémentaire que de ne pas d'engager la France avant un vote du Parlement.
et évidemment en tenant compte du résultat de ce vote. Et on ne peut pas dire oui, mais vous allez voter pour ou alors vous allez. Soit on consulte le Parlement, soit on ne le consulte pas. Je pense qu'il faut consulter le Parlement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, de consensus dans le pays. Il y a des enquêtes d'opinion qui montrent que les Français sont très largement hostiles à cette intervention, alors qu'il est. Et il n'y a pas de consensus international, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc dans ces conditions, je pense que ce serait prendre encore un risque supplémentaire à tous ceux que j'ai ajoutés, que de se lancer dans cette opération sans même, pas seulement consulter, mais faire voter le Parlement. Et c'est la position que j'ai exprimée il y a une semaine déjà, puisque j'ai écrit au président de la République dès le premier jour pour lui demander et la convocation du Parlement et le vote du Parlement. Mais c'est sûr, mais vous appelez tout le temps au vote, mais ça ne change rien pour vous, puisque vous êtes contre cette intervention. Mais le problème, mais très simplement. Non, mais nous sommes des parlementaires, oui. à égalité de droit, que je sache. Donc la question du vote des parlementaires, c'est pas ont le droit de voter ceux qui sont d'accord avec le président de la République et n'ont pas le droit de voter les autres, parce qu'effectivement à ce moment-là, on peut même supprimer le Parlement. Hein, on peut même décider que le Parlement n'a pas besoin d'être réuni ni consulté sur des choses aussi importantes que celles-là. Donc, effectivement, nous sommes des parlementaires élus par des Français. Et donc, nous avons à exprimer une opinion et nous représentons des millions de gens dans le pays qui, il se trouve, pensent la même chose que nous en ce moment. Donc, c'est important. Et s'il y a une hésitation du président de la République, et ça pose quand même un problème, c'est précisément parce que cette majorité n'est pas acquise. Donc c'est pour ça que je dis faute politique supplémentaire. C'est que si effectivement, même avec les deux assemblées telles qu'elles sont constituées, on n'est même pas certain de la majorité, alors c'est qu'on a vraiment un problème politique avant d'engager la France. Donc il faut ce vote du Parlement, et effectivement, vous l'avez dit, après, on ne peut pas se trouver dans la situation où nous serions le seul pays à nous engager, alors que tous les pays. Et dernière chose, tout ça souligne, je sais bien que j'entends une défense élogieuse de nos institutions, mais tout cela souligne le caractère extrêmement monarchique de nos institutions et totalement inapproprié au monde que nous allons affronter. Nous devrions changer cela. – Réponse courte, il s'agirait de faire voter l'Assemblée nationale ou l'Assemblée nationale et le Sénat ?– Il faut faire voter les deux assemblées. – Vous ne croyez pas qu'inaction est peut-être aussi la meilleure façon d'abandonner la Syrie aux islamistes ? L'inaction. Mais c'est ce qui va arriver de toute manière. S'il n'y a pas, comme le disait pour une fois, je vais dire à M. Laurent, une situation politique, diplomatique... Ma vision de la situation syrienne est très différente de la vôtre. Parce que ça n'est pas le face-à-face religieux que vous décrivez, parce qu'il y a en Syrie des millions de démocrates syriens laïcs qui étaient d'ailleurs massivement dans les manifestations. Et donc nous n'avons pas à faire un danger djihadiste qui viendrait de la Syrie. Il a été emporté. On est arrivé à la fin de l'émission. Le débat n'est pas entre ceux qui veulent faire quelque chose et ceux qui ne veulent rien faire. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être efficace. Harlem Désir, vous dites, nous allons frapper pour mettre un coup d'arrêt au massacre. Mais qu'est-ce qui nous garantit que la punition qui est promise va mettre un coup d'arrêt? Rien, pour le moment. Et au contraire, nous pouvons craindre une escalade supplémentaire. Et la question de l'après, il faut se la poser. Parce que dans l'affaire de la Libye, par exemple, qui a servi d'une certaine manière de modèle d'intervention pour la Syrie. On s'est dit, on va refaire la même chose. Eh bien, on n'a pas pensé l'après. Eh bien, le résultat de la Libye, c'est le chaos, la dissémination des armes dans toute la région. Et le bilan de l'intervention libyenne est une catastrophe, y compris pour la situation syrienne. Parce que l'après a été mal pensé et mal préparé. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait laisser massacrer la population de Benghazi ? Il y avait un consensus. Mais ça veut dire que quand on prend une initiative... Même si elle a été beaucoup moins bien préparée que l'intervention au Mali. Quand on prend une initiative, il faut en mesurer les conséquences. Parce que vous avez parlé du Mali. Le Mali a été une conséquence, et l'invasion des djihadistes dans le Mali a été une conséquence directe de l'intervention en Libye et de la mauvaise manière dont elle a été gérée. Donc effectivement, il faut que nous mesurions les conséquences. Et moi, je persiste à penser que l'initiative militaire qui est envisagée ne sera pas de nature à mettre un coup d'arrêt, qu'elle risque de rajouter sur l'escalade et que nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre l'initiative politique et diplomatique pour créer les conditions
d'une sortie de la crise. Et il faudra mettre autour de la table l'ensemble des belligérants, même s'il y a parmi ces belligérants des régimes que nous ne chérissons pas et que, sur lesquels nous avons beaucoup de reproches. Plus Mais de... ça passera par là dans l'intérêt du peuple syrien. Plus de 10 000 tweets.